Putain, je suis bien musclé, hein. Et ils ont avec jamais... une bonne performance. Ils auront jamais notre physique. Jamais de la vie. Jamais trop musclé, frère. Jamais. Trop musclé. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, il est très prétentieux de notre part, mais ouais. Faut bien le comprendre, les gars. Donc la question du jour... faut bien le comprendre. Ouais, non, mais des fois, ils sont cons. Quand il m'a donné l'idée, j'ai dit, ah ouais, toi, tu cherches la merde. Donc les gars, on va bien préciser, pourquoi vous ne pourrez jamais avoir notre physique, les gars. C'est bien prétentieux. Si on s'arrête là, on est foutu. Si on s'arrête là, c'est fini. Ne vous arrêtez pas là, faut regarder tout. Hein. Donc les gars, nous, quand on regardait des vidéos sur YouTube à nos débuts, quand ouais. On était jeunes pratiquants de musculation, c'est vrai. On se disait, putain, j'aimerais trop avoir le corps d'Alex. Putain, franchement, s'il est devant moi, je sais pas ce que je lui fais. Tu vas te détendre tout de suite. Je disais pas des trucs comme ça, toi. On voulait ressembler à quelqu'un en particulier, mais ouais. Je suis sûr que même vous voulez peut-être ressembler à un maître du fit game, hein, peut-être de la nouvelle génération, peut-être de Pimousse, hein, si vous aimez bien les mecs gras, pas costauds, tout mec. Il a dit ce bâtard. Pas costaud. En plus, toujours plus. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel youtubeur vous ferez kiffer, pas sexuellement, hein, mais vraiment. C'est pourquoi tu précises. On sait jamais. C'était bizarre. Quel youtubeur vous ferez kiffer. Donc les gars, on précise juste que vous pouvez très bien avoir un meilleur physique que le nôtre. Hein, donc c'est pas du tout bien sûr notre part tout ça. On va vous expliquer déjà ce qu'on veut dire par là. On va clarifier les choses. Ouais. En fait, c'est juste que nous, par rapport à notre métier, déjà dans un premier temps, en fait, c'est pour vous déculpabiliser que toutes les personnes que vous voyez sur YouTube, ok, ils ont un bon physique, mais faut comprendre une chose déjà, c'est que c'est leur métier. Ouais. Vendre des programmes, être coach sportif, tout ça. Le sport, ils ont le temps de le faire à n'importe quelle heure. Du coup, c'est plus facile pour eux. Ils peuvent manger leur repas facilement. Ils sont pas au taf. C'est vrai. Baler un sandwich en 2 secondes. Et il n'y a pas que ça, c'est que ces mecs-là, ils sont sur YouTube et ils sont pas musclés, très bon physique parce qu'ils sont youtubeurs. Justement, ils sont youtubeurs parce qu'ils sont très musclés et qu'ils ont un très bon niveau déjà de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement pour ça qu'ils sont là. S'ils étaient lambda, ils seraient peut-être pas aussi loin dans YouTube. Voilà. Tu vois. Déjà, de base, c'est une bonne génétique aussi. Bah oui. Souvent, les mecs que vous voyez sur YouTube, c'est des gens qui ont toujours été sportifs. Donc si toi, là, tu veux commencer le sport à 20 ans, ça va déjà être plus compliqué d'atteindre un niveau, le niveau d'un mec que tu vois sur les réseaux. Ça. En plus de ça, t'as sûrement un métier qui te demande beaucoup de temps, plus qu'un simple youtubeur ou un coach sportif. Tu peux pas aménager tes horaires d'entraînement ou tes repas comme tu veux. C'est vrai. Et ça fait beaucoup. Donc moi, quand je vois un gars, là ce matin d'ailleurs, j'ai croisé un abonné, petite parenthèse, il m'a dit que j'étais plus volumineux en vrai qu'en vidéo. Ah, je sais. Donc j'en ai marre de toi. Donc les gars, si vous pensez que je suis maigre, c'est parce que je suis à côté d'un mec qui fait plus de 20 kilos de moi. 12. 12, 13. Ah, parce qu'il en sèche actuellement. J'ai un physique, d'accord. Et moi, j'en profite pour dire, ces gens disent, oh Pimousse, 98 kilos, il est sec. Je suis passé à 98 kilos. Ça, on va mettre tout de suite les pendules à l'heure. Quand il fait ses vidéos force, ses PR, tout ça, il est en masse. Je vais vous montrer mon one pack quand je suis en masse. On va voir qui c'est. Non, gros, ils vont fuir. Voilà, petite parenthèse, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah ouais, j'ai croisé un abonné ce matin et il me disait. T'avais un beau zizi. Tu m'as dit ça? Je l'avais pas dit ça. Ouais, il me disait qu'il se levait, qu'il allait à la salle. En fait, il était dégoûté de pas me voir à la ouais. salle parce qu'il voulait faire des selfies, voulait juste signer des autographes et tout. Okay, tu vois, excuse-nous. Il voulait vraiment être avec nous. Kiff de fou, tu d'accord. vois. D'accord. Non, pas du tout. Bref, il me disait qu'il s'entraîner à 6h du matin parce qu'il travaillait. Et moi, ces mecs-là, les gars, si vous arrivez bon à avoir respect, un bon physique, alors vous avez des horaires comme ça, je vous dis franchement félicitations. Parce que moi, à votre place, je sais pas si j'en serais capable. Non, sinon, je m'entraînerais même pas. Franchement, tu travailles à l'usine, tu travailles en intérim, t'arrives quand même à trouver du temps pour aller à la salle. Franchement, t'es un bon respect. Surtout ceux qui sont en intérim. Voilà. Surtout eux. Donc, c'est ça qu'on veut vous dire dans cette vidéo, les gars. Les vidéos du mercredi, c'est on est là, on est avec vous, on est entre potes, on veut vous vendre des trucs, mais ça, on s'en fout, tu vois. Acheter. mais on est là pour juste parler ouais. avec vous et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que bah, les gars que vous voyez sur YouTube, c'est normal qu'ils aient un bon physique. C'est pas facile pour vous si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions qu'eux, d'avoir le même physique qu'eux. Mais après, il y a des mecs qui arrivent très bien à s'en sortir, à avoir un très bien bon sûr. Physique, voire même bien mieux sûr. Que ces YouTubeurs. J'allais le dire, il y a des mecs qui ont un meilleur physique que nous, tu vois, ouais. alors que les mecs ils se lèvent tous les matins pour aller à l'usine et les mecs ils arrivent à être meilleurs que nous, ouais. quoi. Ça veut rien dire. Après, il y en a d'autres qui ont aussi un bon travail et qui peuvent se permettre ouais. de bien manger, dans bien les s'entraîner. Bureaux, par exemple. Et ils ont un meilleur physique que les youtubeurs. Mais le truc, c'est juste qu'ils ont pas envie de se montrer sur ouais. les réseaux, les gars. Ils s'entraînent pour eux. Nous, on a voulu s'exposer sur internet parce qu'on a envie d'en vivre, les gars. Mais il y a des mecs, ils s'entraînent ouais. silencieusement dans leur garage, en salle, on en voit hein, souvent. Et ils ont un très très bon physique. Donc... Exemple simple, tu prends William qui a fait les jeux de loi avec nous. C'est vrai. Il a
son compte Insta est vide et il en a rien à foutre. C'est ça. Et le mec est monstrueux, il s'entraîne pour lui. Et il y en a plein des gars comme ça. Donc c'est pour ça, sur YouTube, on n'est pas nombreux en vrai. On doit avoir, quoi, 50 chaînes fitness vraiment qui ont plus de 10 000 abonnés. Peut-être moins, je dirais. Peut-être moins. Bon, ouais, 20. Ouais, 20-30, hein, je dirais max. Hein. On a l'impression que tout ce monde-là est chargé, mais les gars, en France, dans le monde, des on mecs est des comme gros ça, chômeurs. Il y en a plein. Non, mais il y en a plein des mecs musclés, tu vois. Parce qu'on est des gros chômeurs qu'on est musclé, je te jure que c'est vrai. Non, c'est parce qu'on a des bonnes conditions pour y arriver. Et puis ça fait longtemps qu'on y est aussi. Et comme on le disait au début, on a toujours été sportif, donc c'est plus facile et compagnie. Moi, mon meilleur level, que ce soit en force ou les photos à un air qu'on a fait, je travaillais de chez moi. Je l'adaptais mes entraînements. Je pouvais m'organiser vraiment de la meilleure des manières. C'est pour ça que j'ai sorti un bon physique. Hein. Voilà. J'aurais travaillé. C'est plus compliqué. Voilà quoi. Voilà, au final, vous comprenez que cette vidéo n'est pas prétentieuse, mais c'est surtout pour vous dire qu'il faut pas se comparer déjà. Bah oui, ne vous comparez pas, faites-le pour vous déjà. Et en plus de ça, ok, tu kiffes le physique, je sais pas, de Thibaut, de Alex, de qui tu veux. Tu peux pas avoir son physique en fait. Tu as le tien. Tu peux essayer de faire du mieux possible avec le tien, mais t'auras jamais le même physique. C'est ça. Parce que lui, il a ses propres insertions. J'allais peut-être qu'il le a les pecs plus longs, les biceps plus longs. Mais après, si tu t'en donnes les moyens, tu pousses ton corps au maximum. Bien sûr. Tu peux avoir un niveau égal au sien. Ça sera jamais le même corps, mais ça sera un très bon physique. Et ça se trouve, t'as des meilleures insertions et t'auras même mieux que lui. Voilà. Quoi. Donc pour ça, faut pas se dire qu'il est dopé. Faut charbonner autant que lui. Essayez tout du moins, parce que si vous êtes dans une situation un peu compliquée, vous faites du mieux possible. Mais voilà, il n'y a pas besoin de produits. On s'éloigne du sujet là. C'est quoi le sujet ? Qu'ils auront jamais notre physique, parce qu'on est des monstres, on est trop chaud. Voilà, bon, on a fait cette vidéo. J'espère que le message est passé. Bien sûr. Elle est là pour vous aider, pour prenez conscience que c'est possible, que si nous on y est arrivé, c'est aussi parce qu'on travaille dans de bonnes conditions. Mais vous pouvez y arriver. Bien sûr. Je dirais même mieux. Moi, je leur souhaite de pas avoir notre physique. Je leur souhaite de faire encore mieux. Voilà. Tu vois. Et de toute façon, on est là pour ça, les gars. Nous, si on fait des vidéos, c'est justement pour aider ceux qui nous regardent. Donc, si vous voulez vous transformer physiquement, on peut le faire pour vous sur www.fitnessfusion.fr. J'aime trop, tu vois, ramener à la vente nos vidéos. Je trouve. D'accord. Je le fais bien. Ils y remarquent pas que j'essaie de leur vendre un truc. Ouais. C'est vrai. Mais prenez sur Fitness Fusion parce que comme ça, peut-être vous allez nous dépasser, vous allez faire mieux que moi au bench. Et parce que je regarde l'heure qu'il est, il n'y a toujours pas de concurrence et j'en ai marre, je m'ennuie. Et allez, on avait dit pas d'arrogance, il est arrogant. Je rigole. Donc les gars, si vous voulez vous transformer physiquement, on peut faire de très bons progrès en 2 mois. Donc là, il faut être déter, hein, par contre. Ouais. Et sur Fitness Fusion, on prend un peu plus de temps. Donc vous pouvez choisir l'option 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas. Donc voilà les gars, si vous voulez vous transformer physiquement, il y a le site internet, on vous aide, on vous suit. Deux coachs, rien que pour vous, ça, vous le savez. On parle avec eux comme si c'était nos potes, on dirait qu'ils sont là avec nous. Mais c'est ça qui est bien. C'est grave. Et les gars, on a changé les horaires, c'est 17h maintenant, le mercredi et le dimanche. Donc pour pas rater les vidéos, activez bien la cloche. Et oubliez pas de liker la vidéo aussi. Lâchez votre commentaire, FF avec une flamme, largement suffisant. Nous, on kiffe ce qu'on fait actuellement, on kiffe les retours que vous nous donnez, mais aidez-nous un maximum, ça donnez-nous c'est de la force. Donc même si t'aimes pas trop commenter et tout, même moi je le faisais pas au début, ouais, je le faisais pas non plus. Il y a toujours des mecs qui veulent t'apprendre la muscu dans les commentaires, tu calcules pas, tu mets juste FF. Flamme. C'est bon, les gars. Et nous, on est tout nus quand on voit ça. Ah, là, je te jure, je comprends. Ah, les flammes, ils mettent tout nus. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio. Force et fun.